On a montré qu'on était, voilà, qu'on était une grande équipe parce que voilà, aller gagner à Bayonne de 30 points, c'est déjà énorme, sachant qu'on peut aller chercher le bonus en fin de match. Donc voilà, on est très content de cette victoire. Ça aboutit les deux mois de préparation et les deux premiers blocs. Donc voilà, très bon match et très content de cette victoire. C'est une reprise de bloc, donc les matchs reprise de bloc, surtout à domicile, c'est toujours très compliqué. Il faut bien se préparer, surtout qu'Aurillac voilà, a besoin de points aussi. Donc voilà, une grosse mêlée, grosse conquête à Aurillac. Donc on sait qu'on devra être présent et il ne faudra pas passer à côté parce que voilà, le match à domicile est très important pour nous pour relancer le bloc. On l'a bien préparé, on a fait une bonne semaine. Voilà, on joue une équipe qui n'a rien à perdre, un nouveau bloc, donc les joueurs sont frais. C'est une équipe, ça va être un bon match de Pro D2. C'est une équipe qui peut être très accrocheuse. Et donc il faut qu'on prenne ce match sérieux et qu'on fasse un bon match. Je pense que leur premier point fort, ça sera la conquête. Ils vont nous attendre surtout devant. Ça va être du combat. Ça va être le premier mot. Que les coachs nous ont dit, c'est le combat et voilà, il va falloir rivaliser et pas les laisser jouer. Mais comme je l'ai dit, très fort en conquête, très fort en mêlée, avec un 9 voilà, qui porte pas mal autour des rucks. Donc voilà, il faudra être vigilant là-dessus. Un 10 qui a un très long jeu au pied, donc voilà, à nous de faire le nécessaire pour être prêt vendredi. Mais de leur dire de continuer à venir présent au stade, venir de plus en plus nombreux. On voit que les stades, le stade se remplit de match en match à domicile. Voilà, c'est dû sans doute au résultat, mais voilà, il faut continuer, il y a de l'ambiance et voilà, bon match à tous.